맛있어. 왜 맛있지? 안녕하세요, 여러분. 로즈입니다. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Rose. 오늘은 제가 초콜라티에이신 로랑 모레노 셰프님과 함께 초콜릿을 같이 만들어 볼 건데요. 어떤 초콜릿을 만들 거냐 하면 Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une mousse au chocolat au lait avec du sésame dedans et on va faire deux variantes, une au sésame et une avec de la pâte de piment aussi et un petit peu de fleur de sel. 좀 특별한 초콜릿을 함께 만들어 볼 텐데요. 일단 검은 깨를 사용해서 약간의 아시아틱한 느낌이 나는 그런 초콜릿 무스를 만들고 거기에 두 가지 버전을 만들 건데 한 가지에는 고추장을 넣어서 약간 매콤한 초콜릿을 만들어 보려고 합니다. 왜냐하면 제가 파리에서 먹어본 초콜릿 중에 moi j'aime bien chocolat avec piment d'Espelette ouais, ouais, bien sûr, ouais. un peu épicé, j'aime bien. Ça se marie bien. J'aime bien chocolat avec un peu de piment. Donc voilà. je lui ai proposé gochujang, c'est pâte de piment coréenne. On va essayer de faire mousse au chocolat. C'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et puis manger, on peut préparer en avance. Et puis manger le soir avec les enfants, dessert. Je sais pas si vous avez l'habitude aussi des desserts, si coréen, oui, mais c'est peut-être pas une habitude. Mais quand on reçoit des gens, on peut faire une mousse au chocolat comme ça. Ah oui, trop hâte d'apprendre. 그러면 지금부터 만들어 보도록 하겠습니다. Coucou. Donc là, j'ai mis à infuser du sésame noir avec du lait. Je l'ai fait infuser hier soir pour développer le goût. Ah oui. Oui, il y a vraiment le goût de sésame noir. 저 원래 그 검은 깨 두유, 검은 콩 우유 이런 거 되게 좋아하거든요. 근데 진짜 딱 그 냄새가 나네요. 우유에다가 검은 깨를 infuse한다고 하죠. 이렇게 넣어서 맛을 우려냈대요. 하룻밤 정도. Ça sent bon. Ouais. Après, on peut aussi rajouter un peu de pâte de sésame, hein. C'est pas un problème. On peut la faire aussi cette recette avec du sésame blanc. C'est selon comment on préfère. Moi, j'aime bien sésame noir. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'ai fait le sésame noir. Voilà. Donc là, je vais le faire chauffer. Ah, il faut chauffer. Ouais, on va le faire chauffer. On va le porter à ébullition. Ok. D'accord. Je te laisse faire. Ok. À feu doux ou... Non, vif. Fort. Vif. Booster. On va booster. Donc dès que ça boue, on va le retirer. Ah, ça boue déjà, non? Non, c'est pas... Si, si. Non, ça frémit. Là, ça frémit. Ah, frémit. Frémit. Voilà, frémit, c'est quand ça commence à bouger. Ah, ok. Bouillir, c'est quand ça commence à... ça va monter, ça va... Donc à côté, j'ai fait fondre déjà le chocolat au lait pour aller plus rapidement. Donc c'est chocolat au lait pur. Ça, c'est un chocolat au lait, il est à 45%. C'est un chocolat qui est entre la limite du chocolat noir et du chocolat au lait. D'accord, pour ne pas apporter trop de sucre et un petit peu d'amertume. Ok, et après on rajoute des sucres aussi ou non? Là non, y a pas de, on ne va pas rajouter de sucre dedans. Et cette recette, on peut le faire aussi avec du chocolat au noir. Voilà, là ça boue là. Voilà, c'est pas grave. Donc là on va le prendre. Regarde, ça boue. Et là oui, tu vas verser progressivement. Enfin, donc ça c'est chocolat au lait. 이거는 그 우유 초콜릿? 아, 밀크 초콜릿. 밀크 초콜릿을 약간 녹인 거래요. 45%니까 완전 그 초콜라 블랙 초콜릿과 밀크 초콜릿 사이에 있는 딱 그 초콜릿이라고 합니다. Vas-y, tu peux verser la moitié. Moitié? Ouais. N'aie pas peur. Le plus dur, c'est de ne pas se mettre... Donc là, je l'ai fait fondre un petit peu. Hein. C'est pas une... avec du lait? Non, avant de mettre le lait, je l'ai fait fondre un petit peu. D'accord. C'est pas une obligation, mais
ça va plus rapidement après. Donc là, on va mélanger doucement. Mmh. Là, on sent bien le parfum du sésame. Mmh. Ça doit être bon. Alors là, vous voyez, ça va trancher un petit peu. Ouais. Ça va séparer, on appelle ça, séparer. Mais en fait, c'est pas grave, ça. D'accord. Mmh. Séparer chocolat et voilà. En fait, c'est l'eau et la matière sèche du chocolat qui va se séparer parce qu'il n'y a pas assez de liquide. Et une fois qu'on aura mis tout le liquide de sésame et tout ça, ça va redevenir normal. C'est une recette qui est très rapide à faire. Et on peut le faire même avec les enfants, hein. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ouais. Enfants comme moi. Voilà, avec les grandes... grands enfants. Les grands enfants, on peut le faire aussi. Voilà, et là, on va verser encore le reste. Voilà, hop. Attends, donc, je vais essayer de mélanger. Vas-y. Comme ça, je participe. Je voilà. Peux dire que c'est moi qui l'ai fait. Puis moi, je vais me pousser comme ça, si tu veux. Vas-y, vas-y. Faut pas salir c'est ma veste. Moi, c'est moi. Donc ça, c'est une mousse. Ensuite, on va rajouter de la... Enfin, là, c'est, on appelle ça une ganache. Ouais. D'accord. Une ganache, c'est un chocolat fondu où on incorpore un liquide. Et un liquide, en général, c'est de la crème. Mmh. Mais nous, on a mis du lait. Ouais, de la crème ou du lait, pardon, excusez-moi. Mais on peut aussi rajouter une purée de fruits, n'importe. Ça n'a pas l'importance. Du moment que c'est un liquide. Mmh. D'accord. Et ensuite, on va rajouter de la crème fouettée. Ok. D'accord. Mmh. Voilà, alors, je vais bien. Je vais bien ramasser les bords comme ça, avec la maryse bien aller au fond, pour être sûr que ça soit bien mélangé. D'accord. Là maintenant on va mixer. Pourquoi on va mixer? C'est déjà pour faire une émulsion. Ouais. D'accord. De la matière grasse qu'il y a dans le chocolat, avec le beurre de cacao et le lait, parce qu'il y a aussi de la matière grasse. Et ça va servir aussi pour concasser un peu le sésame. Alors moi je le laisse le sésame entier. On peut le filtrer si on n'aime pas avoir des petits morceaux. Bah, c'est bien, c'est agréable. Ouais, moi j'aime bien parce que ça donne une petite texture. Voilà. En fait, vous voyez là, il commence à. C'est un petit peu comme si on montait une mayonnaise. Faut en essayer pour la mousse. Donc là maintenant, je vais mettre un petit peu de fleur de sel, d'accord? Ok. Voilà. Un petit peu. Bon, j'aime bien en mettre, donc je vais en mettre encore un peu. Et ça va apporter le côté un petit peu sucré salé. Ouais. D'accord? 여러분, 초콜릿에 소금 되게 잘 어울리는 거 아시죠? 그 전 꽃소금 뿌려진 초콜릿 너무 좋아하거든요. 약간 살짝 짭조름하면서 달콤한 그 초콜릿을 먹으면 너무너무 맛있는데 이 우스에도 그 약간 단짠단짠한 느낌을 주기 위해서 소금을 약간 넣었습니다. 꽃소금. Alors moi j'utilise cette fleur de sel parce que j'utilise pas du fleur du sel fin parce que le sel fin va se dissoudre de suite. Tandis que celui-ci va rester toujours un petit cristaux. Et quand on va manger la mousse de chocolat, ça va de temps en temps, on va sentir les petits. Ouais, alors il y aura le sésame, il y aura le sel, et certains, il y aura même du piment dedans. Et donc ça va donner un petit effet très sympa, que j'aime bien, ce côté qui va apporter du sucre, du sel. Et des parfums différents. Voilà. 이 꽃소금을 항상 사용하시는 이유가 그 너무 얇은 소금은 들어가면 다 그냥 녹아서 섞여버리잖아요. 근데 이런 꽃소금은 약간의 그 결정체가 남아 있어서 이렇게 먹을 때 가끔씩 이런 조그마한 그런 소금 덩어리 같은 게 느껴지기도 하고 뭐 가끔 검은깨가 느껴지기도 하고 이런 텍스처가 다양하게 느껴지는 게 재밌으셔가지고 이런 굵은 꽃소금을 사용하시는 걸 선호하신다고 합니다. 저도 그렇게 느껴지는 게 좋아요. 가끔 이렇게 살짝씩 짭짤한 게 딱 그 느껴지는 그런 텍스처가 있는 게 좋더라고요. Voilà. Maintenant, je vais passer la crème fouettée.
Donc là, on a fouetté de la crème. Mmh. D'accord. Il 생크림을 미리 올려가지고 차갑게 보관을 해놨거든요. 단단하게 올려서. C'est texture un peu. Ouais, c'est ce que j'allais faire avec le fouet. Mmh. Donc il faut qu'elle soit assez souple hein, quand même. Mmh. D'accord. Faut pas trop la monter, ça sert à rien. Mmh. À part. Ah, 너무 이렇게 너무 딱딱하게 올릴 필요 없고 이렇게 살짝 떨어질 정도, 이 정도만 텍스처가 돼도 괜찮다고 합니다. Donc là, tu vas me la verser dessus, petit à petit. Vas-y. Voilà, en soulevant. Je suis une bonne assistante. Ouais, ça va. Je vais te garder. Ça va? Je peux travailler. Je peux travailler quand même. Au cas où si j'en ai rien à faire, vous allez m'embaucher pour verser la crème. Voilà. Alors vas-y, regarde. Alors je vais te faire voir. Tu fais comme ça. Il faut soulever. Ah. Ah. Faut pas remuer comme ça. Il faut soulever. Ah. Voilà, pour garder l'onctuosité et les bulles. Comme ça. Voilà. Alors, souvent, bah, les gens ont, je sais pas pourquoi, mais ils ont beaucoup de mal à arriver à faire les deux en même temps. Les deux en même temps. Ouais. C'est... Mais là, ça va. Tu te débrouilles bien. Ça va. Parce que je suis une bonne assistante. Voilà. Voilà, souvent les gens n'arrivent pas à tourner le plat et en même temps à remuer. Mmh. Voilà. Là en fait, en faisant ça, ça va garder toute l'onctuosité. Oh. D'accord. Alors moi je la fais toujours un petit peu plus souple, d'accord. Parce qu'après tu vas la mettre au frigo. Mmh. Parce qu'on ne peut pas la manger de suite. Il faut la laisser reposer au moins 2 heures. Au moins 2 heures. 2 heures. Ok, ok. Pas 12 heures. Pas 12, 2. 2 heures. Ouais, c'est mieux. Et en même temps, ça va permettre aux arômes de se développer dedans. Ah. Voilà. Ça s'infuse encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, donc là, on a préparé, la mousse, elle est faite. D'accord. Voilà, la mousse, elle est finie, on va pouvoir la mettre dans les plats. Ah. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est une variante, on va mettre avec du piment. Mmh. D'accord. Donc, on met. Il faut diviser en deux. Voilà, à peu près, c'est pas. On va mettre une bonne cuillère. D'accord. Moi, j'aime bien quand ça pique. Moi aussi. Donc voilà. J'aime bien ce côté en même temps aussi piquant. Gochujang을 넣었어요. 달콤한 초콜릿이랑 매콤한 맛이 생각보다 되게 잘 어울려서 저도 놀랬거든요. Voilà, on met un petit peu de mousse. Mm-hmm. On remue. On sent bien déjà sésame noir. Le sésame, oui. C'est quand même important de le faire bien infuser, mmh. D'accord. C'est ce qui va apporter des arômes, du parfum. Mmh. Donc là, j'ai mis un peu de piment, un peu de mousse. Mmh. Et là, je vais verser l'autre moitié. Voilà. Donc ça, celle-là, elle sera au piment et celle-là, elle sera au sésame. Mmh. Je sais pas si les enfants en Corée mangent piquant. Les Coréens, on est nés pour manger des choses piquantes. Je pense qu'un petit garçon en Corée, il peut manger mieux que moi des choses piquantes. Ah d'accord. Ouais, moi, je pense que j'ai perdu la sens coréen. Le sens. Oui, le sens. Voilà, et là, on met la mousse. Mmh. Voilà, dans le petit saladier. Donc ça, c'est avec piment. Ça, c'est avec le piment. Est-ce qu'on peut faire aussi dessus? C'est les petits piments. Ah oui, ça. Ah. Les moi, petits... Poudre de piment, si vous voulez. Ah ben voilà, ouais, on peut mettre ça un peu. Pour, ah ou bon, alors, gochujang. Peut... ou alors mettre des petits piments comme ça, les couper en petits dés. Mmh. D'accord. Ah, oui. Les mettre avec un sirop au four et puis les remettre par-dessus. Mmh. Voilà, là on peut en remettre un peu par-dessus. Goûte d'abord, ça peut être trop épicé. Mais... Non, ça va, ça va. Donc, yépunde. Voilà. Waouh. Et on va mettre un petit peu de sésame par-dessus. Ouais. Ouais, vous avez vu, c'est quelque chose d'assez simple à faire, rapide, ouais. Et c'est super bon. C'est quelque chose qui va. C'est très joli. En dessert. Mmh. Ou même pour le 4 heures des enfants. Voilà. Oh, 너무 웃기다. 고추장 맛이다, 진짜.
Donc ça, il va falloir le réserver au frais. Mm-hmm. D'accord. Et après, on va faire l'autre. Voilà, l'autre, ça va être la même chose, sauf qu'on n'aura pas mis de piment dedans. Maison. 왜 맛있지? 고추 어 마, 맛있겠다고 생각하고 만든 건데 신기하긴 하다. 고추장 고추장 초콜릿. 주스 prendre juste ça. J'ai jamais essayé pâte de piment avec mousse au chocolat. C'est super bon. Ouais, mais c'est... Avec chef, tout, on arrive à tout. Donc celle-là, c'est nature. Mm-hmm. Pas nature, pardon, avec du sésame. Voilà. Peut-être on peut mettre un peu de sel dessus aussi. On va mettre aussi du sésame blanc. Mm. On va mettre les deux. Vas-y, tu peux en mettre, regarde. Ah, c'est joli. Voilà, tu fais comme ça. Comme, comme un certain boucher. Ça rentre ou pas? 들어가는 거야, 많은 거야. Et là, on peut encore mettre un petit peu de sel par-dessus. Mmh, j'adore fleurs de sel. Donc c'est quelque chose d'assez simple, vous avez vu à faire, facile. Et en général, ça contente, tout le monde est content avec une mousse au chocolat comme ça. Mais c'est tellement simple, on a juste... Mais les choses les plus simples, c'est souvent ouais, les c'est meilleures. Vrai, c'est vrai. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'être trop compliqué pour faire des bonnes choses. Oui, exactement. Voilà. Ta-da-da. Donc là, on va mettre au frigo et on pourra le manger dans 2 heures. Ok.